sommes le jeudi 21 mars 2024 et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Papa Loup. C'est aussi les 3 mois de ce petit bonhomme qui est tranquillement en train de dormir, tout voilà, tranquillou. Bref, pour l'anniversaire de Papa Loup, bon là pour l'instant il est au travail, mais une fois qu'il va rentrer, du coup, on va se faire des hamburgers maison, voilà, avec frites. Un petit gâteau que nous allons préparer avec Mademoiselle qui est juste là. Voilà, on va préparer ça en duo, à quatre mains comme on appelle ça. Et voilà, comme ça, ça fera l'activité de l'après-midi. Pour le cadeau, une soirée tranquille, en amoureux, massage, avec musique douce, tout ça, tout ça. Sinon, niveau microbes, c'est une cata! Bref, on est sorti de la varicelle et là on retourne sur des symptômes grippaux. Voilà, je crois qu'on va jamais s'en sortir. Je crois qu'on va jamais s'en sortir, clairement. Hein, voilà. Bon, il y a forcément un moment où ça va s'arrêter, où notre corps va dire « Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai eu assez d'immunité, c'est bon, c'est cool. » Voilà, j'ai eu tout qui est arrivé. En plus, à l'école, il y a eu un cas il y a quelques jours, non pas de Covid, mais de cinquième maladie. Donc, j'étais là « Putain, j'espère que c'est pas ça et tout. » Parce que c'est aussi un petit peu des symptômes grippaux au début, puis ensuite des éruptions cutanées. Du coup, j'étais là « Non, mon Dieu, non, pas ça. » On vient juste de sortir de la varicelle, peut-être pas ça de suite. Bébé est en train de se réveiller. Donc là, on est en train de faire le pic des 3 mois. Voilà, on est en plein dedans. Il y a 3 mois aujourd'hui, donc c'est un peu normal. Mais il a commencé 2 jours en avance. Voilà, donc ça fait 2 jours que je constate vraiment des tétés beaucoup plus rapprochées. C'est le pic le plus compliqué. Je savais déjà à la base, étant donné que, c'est pas mon premier allaitement. Et c'est pas non plus comme si je découvrais l'allaitement, puisqu'évidemment, je l'ai fait pour mes enfants, mais j'accompagne aussi les femmes souhaitant allaiter. Donc, et les femmes qui ne souhaitent pas allaiter aussi, mais bon, j'accompagne l'allaitement. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, je m'étais un petit peu préparée à ce que ça soit très souvent les tétés. À la base, il arrivait à se passer de tétés pendant 3-4 heures. Salut. Ah ben non, tu te rendors. Là, en ce moment, c'est toutes les 1h30, 2h à peu près. Donc voilà. Bah oui, bah oui, on est bien contre maman. Mais qu'est-ce qu'on est bien, me dit. Là, je pense qu'on va faire la tétée. Ensuite, on va changer la couche. On va faire un petit peu de motricité. Maman, après. Oui, après. Et puis après, on va faire la vaisselle. Et puis après, on va faire le gâteau à papa. Oui, après. Oui, après. Voilà. Papa, Yves, t'as le tour. Oui, papa, non, il n'arrive pas encore. Mais le gâteau, on va le préparer. Ok? Papa. Et toutes les deux, on va le préparer. Oui. Toutes les deux. Et bébé? Oui, bébé aussi, oui, forcément. Et moi où? Ah non, les chats, ils vont pas... Non, non. Thank you.
Mmh.